L'armée de terre recrute. Et c'est une priorité pour le général d'armée Elric Irastorsa, chef d'état-major de l'armée de terre. Le jeudi 4 décembre, il a rendu visite au centre d'information et de recrutement des forces armées de Mantes-la-Jolie et de Versailles. Il a pu ainsi constater le bon fonctionnement de la chaîne recrutement. Je suis venu passer quelques instants avec des militaires de l'armée de terre que j'aime bien. J'aime bien parce qu'ils font un métier difficile, un métier qui est essentiel, celui de recruteur. Une armée sans soldats n'est plus une armée. Donc tout commence ici, dans ces centres de recrutement. 32% chez les OSC. Le recrutement, je suis de meilleure qualité. À mon niveau, tout simplement, j'ai exposé les problèmes que je pouvais avoir au niveau recrutement et un petit peu, j'ai fait le bilan du travail que nous avons fait depuis 3 ans au centre. Le centre d'information et de recrutement des forces armées de Mantes-la-Jolie est parfaitement intégré dans sa ville. La mairie a organisé une rencontre au bénéfice de la jeunesse sur la thématique du recrutement avec les associations et les missions locales de la ville. Car la féminisation, c'est une bonne chose, comme on pourrait. L'armée de terre recrute et recrutera dans les années à venir 13 000 à 15 000 jeunes par an.